Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Mathis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch. Donc pour ce glitch, vous allez devoir aller sur la map Brain. En fait, en un glitch, vous allez pouvoir en faire 3. Donc c'est pas moi qui ai trouvé ce premier glitch. En gros, c'est un mec qui a trouvé ce glitch. Sauf que moi je l'ai amélioré, puisqu'avec ce glitch, j'en ai trouvé 2 autres. Je vous mettrai son founder en description. Donc voilà. Donc là, il va falloir que vous mettiez là, après que vous visez là où je vise. Que une fois que vous tirez, vous faites option R1L1. Vous avez l'habitude avec moi. Voilà. Option R1L1. Donc ça c'est le premier glitch, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est moi qui l'ai trouvé. Voilà, tac tac tac, là vous pouvez tirer là, là. Bon, celui-là il est pas ouf parce que vous pouvez vous faire tuer si vous jouez en mode multijoueur. Et donc je vous mets une petite photo de comment il faut se positionner. Voilà la photo, donc comment il faut se positionner votre grappin. Et donc c'est parti pour le deuxième glitch. Donc là on va faire 3 en 3 minutes. Donc là c'est un peu plus par là, voilà. Donc là je vais le rater. Une ou deux fois je pense que je vais le rater. Moi en général je fais en 3 fois chaque clic. Voilà, donc là j'y suis réussi. Donc là vous prenez carrément dehors, c'est complètement pété. Donc celui-là c'est le mec que je vous parlais qui l'a trouvé. Mais vous n'êtes pas invincible aussi, mais bon, là c'est bien parce que vous pouvez vous décaler vers l'avant, vers l'arrière. Là vous pouvez tirer là, un peu partout ici. Après je crois qu'on peut encore s'avancer, mais bon, j'ai pas osé. Voilà. Donc je vous mets aussi une petite photo de comment il faut se poser et aussi le grappin. Voilà. Un peu plus vers la gauche, je vous fais voir. Et regardez bien l'arme, vous avez vu, ça c'est la galie, ils l'ont enfin mis en ligne, moi je suis trop content. Et donc là, celui-là il est un peu plus complexe. Vous allez devoir faire option R1L1 et puis aller avancer en arrière. Avancer en arrière, les gars. Vous allez devoir avancer en arrière. Je vous répète encore une fois, option R1L1. Vous avancez en arrière, hop, vous êtes dans le glitch. Et donc là moi je l'ai pas encore trouvé parce que là j'étais what the fuck, c'est quoi ce glitch. Donc là vous allez devoir vous décaler vers l'arrière. Voilà, par là-bas. Sauf que je savais pas encore. Mais restez bien sur le truc jaune. Donc là, voilà, donc là je suis sur le bord du truc jaune, regardez. Voilà. Donc là vous êtes pas mal. Là vous allez devoir prendre votre grappin. Donc là vous êtes invincible, c'est celui-là que je vous parlais, celui-là c'est moi qui l'ai trouvé, les gars, je pense que c'est le meilleur de tous. Il fait penser un peu au premier que vous avez fait voir. Donc là voilà, donc là vous, personne ne vous voit, restez pas droit en avant non plus. J'ai aussi votre arme, ça va vous mettre des balles. Et donc voilà, ce glitch est vraiment what the fuck, il est vraiment trop bien et tout. Et même moi je me rends pas compte qu'il est pas vraiment bien. Trop propre. Donc là vous pouvez vous mettre allongé et tout. Hein. Mais bon, allez pas trop devant au cas où. Bon les gars, je vous mets une petite photo de comment il faut se mettre et comment il faut se positionner. Faites bien à l'arrière, option R1L1 avant. Bon les gars, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Allez, tchuss.